Bonsoir à tous, bienvenue sur le live de CrocoFR. Nous nous retrouvons ce soir sur Insurgency. Donc une petite mise à jour. Hein. Donc bon, c'est pas un jeu que je fais régulièrement, que je suis par épisode. Hein. Mais bon, ils ont corrigé un petit peu 2-3 crashs et des soucis sur les différentes cartes. Hein. Donc eh ben, je me suis dit, ça fera l'occasion d'aller tester ça. Donc on va partir dans une partie encore multijoueur. J'espère pas tomber sur un serveur tout pourri hein, avec des mecs qui ben qui courent dans tous les sens, qui font du n'importe quoi, qui vont crier sur le chat. En règle générale sur Insurgency c'est quand même relativement une façon de jouer quand même assez propre si je puis dire. Enfin je sais pas comment expliquer la chose. Le sens du, enfin le jeu étant assez orienté quand même au leveled, on peut dire. On est rarement quand même avec des mauvais joueurs. Hein. On a quand même un esprit team play quand même qui est important. Donc voilà, bon bah comme d'habitude, hein, j'ai repris mon rôle habituel de tireur de précision, hein, donc tireur de précision ou tireur d'élite. Hein. Salut à toi Didi. Donc là je suis en train d'observer tout simplement la vue d'un autre joueur. Hein. Donc voilà, hein, qui lui aussi. Bon bah là, lui par contre a l'air de connaître quand même nettement mieux la carte que moi. Hein. Donc je vais faire défiler, hein, je vais regarder un peu les autres joueurs ce qu'ils font. Voilà, donc là. Ça c'est moi qui puis jouer. Donc on remarque tout de suite que je suis du côté des insurgés. Hein. C'est pas un problème. Hein. Donc, on va se méfier parce que donc nous on doit aller sur la partie. Oh, donc là j'ai pris le pistolet. Hein. J'espère que je vais pas me faire. Je vais essayer de me planquer dans un coin. Ça pue là, ça pue. Ah bah voilà, bravo, j'ai bien géré mon affaire. Je me suis fait éclater dans le dos, voilà. Et voilà, lui aussi s'est fait éclater dans le dos. J'ai pas venu venir le. Là par contre, il l'a bien eu par derrière là. Il faudrait que j'arrive à trouver un endroit, un spot. Donc on avait eu pas mal de soucis hein, sur les précédentes vidéos où j'avais pas mal de soucis dans l'affichage. Donc j'ai réglé le souci avec en activant le mode fenêtré. Première vue ça tire là, je me méfie. Yep. Ah merde. Je l'ai vu trop tard. Donc oui hein, ça pardonne pas. Hein. Là au moins il n'y a pas de chichi dans le jeu. C'est vraiment une balle à une mort. Hein. On voit quand même qu'il y a un esprit d'équipe qui est quand même important. Donc bon bah c'est évident qu'en jouant sniper c'est un peu différent la technique de jeu. Le souci c'est qu'il faut vraiment connaître les zones. Hein. Donc lui il se met vraiment dans le défilement de la rue. On va capturer le point B bientôt. On a failli le capturer, voilà, me revoilà en jeu. Alors, ce que je vais faire, j'essaie de me mettre sur les extérieurs. Hein. Là par contre, là, je suis assez bien placé. Par contre, j'ai un viseur très très pourri. Hein. Autant dire que si jamais il y en a un qui veut me sniper, là, voilà, on les voit passer. Malheureusement, j'ai un viseur trop pourri pour faire quelque chose. On va se déplacer là, je vais essayer de passer sur le côté. Là. Histoire d'être quand même en. Voilà, là on est en mode défense, ouais. Nickel, là j'ai un point qui peut être sympathique. Je vais me mettre dans un angle un peu plus... voilà, ouais. Ah,
Ah, c'est pas super. Là, on peut s'attendre à ce que ça passe. D'accord. Calme-toi. En fait, sans le savoir, moi j'étais déjà dans le point C. Ça court. Roquette. À côté de moi, une alliée là. Donc, vous voyez, hein, c'est très, très, très. À première vue, du fumier qui a été déployé. Je pense que c'est ceux qui attaquent là, les sécurités. Donc, notre but, hein, c'est tout simplement. Sur qui il tire, hein. Pouah! Le blaireau! Le fou furieux! Oh le con! J'ai balancé le fumigène à l'intérieur du truc. Ah, je suis vraiment mauvais, hein, y a pas d'autre. Donc là, je suis à l'intérieur, c'est une pute. J'ai l'impression qu'on se fait tirer par l'extérieur là. Pas grave, hein, je me suis mis à plat dans un angle. Eh fuck! Eh merde, c'est con, j'ai voulu lui mettre un coup de couteau, j'ai pas eu le temps. C'est là qu'on aurait eu une arme un peu plus puissante, ça aurait été efficace. Alors je vais regarder un petit peu si je pourrais pas me mettre une lunette un peu plus appropriée, voilà. En secondaire, Makarov. On va prendre un truc un peu plus pointu aussi. Alors là, on a de la lunette. Là, avec un 45, ça va faire un peu mieux, je pense aussi. Donc là, il faut monter les marches. J'ai pas le choix, hein. Faut monter parce qu'ils vont vouloir nous attaquer le point. Eh merde. Je suis allé trop comme un bourrin. Allez-y là les gars, je vous suis, hein. Parce que là ils sont en train de capturer le point, hein. Ça clignote en bas. Il est tout seul en plus, hein. Putain, il est où l'enfoiré qui nous tire dessus? Moi je suis tout seul en plus. We lost Charlie. Ah merde! They've reached our cache! Stop them! Fight! This is our last stand! Eh merde. Les mecs ils sont où là? Ils sont où pour le soutien? Donc là il faut qu'on serve ces points. Ici c'est un point qui vont nous faire qui sont censés faire exploser. Moi je vais me mettre ici. Je vais mettre avec la lunette de sniper entre les cartons. Je pense être un endroit pas mal. En espérant qu'ils viennent de ce côté, tout simplement. On va bien voir, hein. À noter que c'est un point de passage très connu, hein. C'est pas impossible. C'est pas.
Comme je disais, c'est pas inconnu qu'on prenne pour cible. C'est un point très connu, c'est. Donc vous voyez, même moi je le. Hein, j'ai réussi à faire deux shoots en faisant des strafes. Hein. Je suis vraiment dans mon rôle de protection, il y en a un qui est là. Ça fait pas un pli. Hein. Enfin, faut dire qu'aussi que là, j'ai un point plutôt pas mal. Pour une fois que je connais un point dans une carte. Le but, nous, c'est de tenir. Hein. C'est de tenir le point, quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que quand ils vont voir qu'ils peuvent pas passer de là. Il y a une grenade qui tombe là. C'est une fumigène. Bon bah pour l'instant on est pas mal. Il me semble avoir vaguement aperçu un mouvement là. Tiens, on tient. Ouais, il y a du mouvement là. On va en profiter pour recharger. Il y en a un qui fait. Ils balancent du fumigène, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans ma direction. Donc il y en a un que j'ai vaguement aperçu là. Putain! Il était aux roquettes, le gars. Hein. J'espère que j'ai eu le temps de l'avoir. J'ai l'impression qu'on me tire dessus. Lui, j'ai dû l'avoir, hein. Ça a giclé. Lui aussi, je l'ai eu. Il y en a un autre là qui se cache. Fuck. Là, c'est du fumier, hein. C'est du fumier, donc je suis comme un con. C'est là que je devrais avoir de grenades. Hein. Bing. Alors là, je pense que j'ai dû les énerver. Je pense que j'ai dû les énerver. D'ailleurs, il y en a qui me dit Rob joli. Là, j'ai. Donc là, maintenant. Eh, hey, fuck, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Bon, bah, c'est con, j'étais le dernier. J'aurais pu faire basculer la victoire et je suis mort comme un con. Dommage hein, parce que avec un fusil snipe c'est con, mais bon c'est comme ça hein. Malheureusement hein, j'y trouve pas mine de rien, oui hein, j'ai quand même bien remonté le score hein, moi tout seul, sauf que bah j'avais pas l'arme adéquate, je n'avais pas l'arme adéquate. Donc là, le but, c'est protéger le point A, B ou C. Ça commence très mal pour moi. On
va se replier. Il y a du mouvement. Non problème. Hop 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 hop. Donc là ils sont en train de protéger le point A, moi j'essaye de tenter de les rejoindre. Ce que je vais faire, je vais modifier un petit peu mon équipement. Mission perforant. Explosif, on va prendre ça. Ça sera un peu plus efficace. Là, j'aurai une grenade offensive. Donc là, je fonce sur le point A. De trouver un endroit où monter sur les si je sais un étage. Le problème c'est de partant tout seul comme ça, j'ai un fort risque de tomber sur un ennemi. Hein. Je cherche un point. Ça passe en courant là-bas. Bon bah là je m'avance dans un truc. Je sais pas qui c'est qui m'éclate, mais il m'a éclaté hein. Je vois pas du tout, je vois pas du tout où le mec il est. Ils ont plus qu'une vague, donc ça veut dire que si on les tue suffisamment, on va gagner directement, hein, puisque leur but c'est d'avoir suffisamment de vagues. Hein. Donc eux c'est les rouges, parce que c'est toujours, nous on est toujours bleu quand au côté allié. Très 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 bien. Il y en a un qui est passé devant lui là. On a vu passer devant le joueur là. Et c'est parti. Ce que je fais, je traverse tout. Je vais vraiment me passer vraiment sur les arrières là. Putain. Bon bah ça n'a pas fait long feu, hein. Ça veut dire que là il y a vraiment, ils ont un mec qui snipe aussi. Hein. Je sais pas où il est, mais en tout cas il m'a pas loupé le gars. Oui, c'est vraiment, là on est vraiment dans de la garde position là. Alors, on a gagné parce qu'on a détruit toutes leurs vagues. Hein. Par contre moi j'aurais pas fait grand chose dans cette session, hein, c'est le cas de le dire. Hein. J'aurais pas fait grand chose. Hein. Faut dire que la connaissance vraiment de la carte est un plus. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Donc voilà, je vais pouvoir m'upgrader. Je vais pouvoir emporter un peu plus de matériel là. Everybody ready. We should move.
Donc on va retenter un coin de tir. Ok, vu. Putain, le gars il est très habile, hein. Je pense qu'il devait me tirer au sniper, mais en tout cas moi je l'avais vu. Putain, il m'a pas loupé, hein. Donc on va essayer d'y retourner, hein. On voit que là on est vraiment dans de la guerre de position, hein. Ce qu'il y a, c'est que moi j'ai pas vraiment de point vraiment où me positionner, hein. C'est pas évident en tant que sniper là, hein. Je vois pas trop où me mettre. La méconnaissance aussi de la carte joue beaucoup, hein. Traverser là. Et je vais monter direct ici. Hein. Je crois que je suis sur le point C. Voilà un corps d'un gars de la sécurité. Peut-être que c'est un point de passage ici. On va faire un petit tour. Hein. Prendre le pistolet au cas où, parce que là je suis vraiment bien seul. Attention. C'est très risqué. Salut à toi, Troma. Mais il faut que je me méfie parce que là ça a claqué. C'est un coup de pistolet. Ah, super, bon, là je suis en train de chercher un endroit où me mettre, mais ça c'est un insurgé, hein, donc il n'y a aucun risque à prendre. Je vais me rapprocher parce que j'entends le feu là. Nickel, là il y a un autre copain à côté. Je vais regarder là, voir si je vois quelque chose. Hein. Ouais, il y a là. Voilà, lui je l'ai eu. Bang! Bah moi aussi je me suis fait avoir. Mais en tout cas l'autre il a traversé. Donc on voit l'efficacité, hein, contrairement peut-être à d'autres jeux. Hein. Là c'est vraiment, on est dans du... Quand on tire quoi. C'est vraiment, ça fait mouche quoi. Il n'y a pas besoin d'en claquer. Eh merde. Je parle et je le vois devant moi. Tant que je réagisse. Il n'y a pas besoin de faire 40 coups. Hein. Là j'en ai mis 2, ça a suffi. Hein. Et j'aurais fait un tire-tête tout de suite, ou mieux placé, j'aurais pu le neutraliser tout de suite. C'est justement cette approche de... Là, il y en avait un sur le côté, je l'ai vu moi. Dans son dos. Ils ont plus de vagues, hein, de toute façon, les ennemis. Donc une fois qu'on aura raclé tous les derniers... voilà. Il en reste plus qu'à quelques-uns. Dès qu'ils seront tous morts, la manche sera remportée. Donc là, on va changer, on va aller direct du côté où ils sont. Ils sont en train de capturer le point A là. Il faut y aller franco là.
Ah d'accord, hacker. J'y suis allé un peu trop comme un bourrin et en plus le gars il dit utiliser les grenades et j'en avais comme un bébête quoi. Je suis trop bourrin. Hein. C'est bon, là il est en train de recapturer le point A. Il doit en rester un quelque part là. Allez, c'est reparti. Moi j'ai pas assez de sous pour m'acheter du matos un peu meilleur. Hein. Et, tout le monde part en courant avec le pistolet, hein. Même les mecs qui ont des... Lui c'est un sniper. Putain. Poussez-vous, ça va faire mal. Et voilà. Salut à toi Dodom. Ah bah lui ça lui a... ça lui a débouché les narines là je pense ma grenade. Et eh ben voilà encore une victoire. Hein. Je pense qu'on va changer de carte. Je crois qu'on en est à 3 manches. Ah non, il nous reste une manche, donc j'ai encore changé de matos. Alors, je peux m'acheter un silencieux. Mais il me faut quand même pas mal de points. Alors, ce que je vais faire, hop, armure légère, hop. Voilà, je m'achète une armure légère, histoire de dire que je suis protégé. Allez, c'est reparti, on va se repositionner. Ça fume, c'est que... Je vais retenter ce point-là. Parce qu'à mon avis, ça doit rusher. Donc ça attaque, ça a traversé là. Je me méfie énormément. Hein. Je me méfie énormément. Tout à l'heure, je me suis fait allumer ici. Je pense que là c'est vraiment le dernier round. C'est très 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 calme. Oh enfin. Eh hey, merde, merde, merde. Il est vers moi là. J'aurais eu bah, le temps, le problème là, j'aurais limite de faire un tir au jugé au fusil là. Là, le temps que je change l'arme, j'étais cuit. Hein. Mais le problème, c'est que j'ai voulu épauler l'arme et vous avez vu le temps. Hein. Ça m'a desservi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, il se cache. On entend, ah, c'est du tir silencieux. Hein. D'accord, il y a besoin de renfort sur Alpha. Il y en a là. L'enfoiré. Heureusement que j'étais en mode rafale. Hein. Allez, bing, toi c'est fait. Attrape la vente là. Enfoiré, oh là 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 là.
Il m'a pas vu ce trou duc. Eh merde, pourtant 40, c'est du 45 là. Hein. Mais bon, il n'y a pas du tout de... C'est étrange hein, comme elle se joue cette... Ah, ils nous ont capturé le point alpha, donc là maintenant ils vont nous capturer le point bravo. Eh merde, 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 merde. Là vraiment j'ai pas assez de patates avec mon calibre là. Ce que je vais faire, je vais changer de classe, je me suis mis en combattant, je pense que ça sera plus utile. Voilà. On va faire chaud du kit aussi. On y avant. Allez, on va y aller là. S'il faut aller au contact, on va y aller au contact là. Il est où là? J'essaie de me repérer par rapport au tir. Ok, bah là j'ai tout vu. On se fait mais lapider. Ensuite, on voit la distance de visée, rien à voir. Hein. Donc là, je suis dans le bâtiment à protéger. Avant qu'ils viennent là. Ah putain de merde, il est où le gars? Franchement, là, la lunette, elle me plaît pas du tout. Hein. J'essaie de m'équiper un peu mieux. Bah, j'ai pris des munitions perforantes pour le... Les gens sont pour inviter. Pourquoi ils voudraient qu'on inverse les équipes? On est en train de faire une bonne progression tactique là. Je sais pas où on va, mais on y va. Personne. Ils ont plus de vagues, donc ils sont prudents. Hein. Là c'est simple hein. Faut revenir sur Bravo. Tout le monde va y converger, ça va faire mal. Ah bah, j'ai même pas eu le temps de lancer la grenade que c'est bon, il s'est fait éclater. Et bah voilà, une très bonne chose de faite.
Là, je pense qu'on a en insurgé, on a ça y est, on a atteint les 3 rounds. Donc automatiquement, on va avoir un vote pour une nouvelle map. Bon, bah j'ai pas réellement vu de... Réellement, on peut dire de nouveautés. Hein. D'accord, donc le choix, il est très rapide. Hein. C'est soit Sinjar. Et tout le monde veut faire la percée en Sinjar, donc moi je veux voter pareil. Hein. C'est la ville désertique et le mode percée, c'est un peu le même principe. Hein. On a des points et il faut que l'ennemi attaque. Donc là, on va voir. Ça siège, donc ce que je vais faire, je vais me remettre. Ok, merci. Je vais m'y remettre. Tac, anti-horde précision. Armure légère. Makarov, on va prendre lui plutôt. J'ai l'impression que c'est la même chose. Enfin. Ouais, c'est exactement la même qui nous a ressorti. D'accord. Super. Alors, il n'y a pas que nous qui rushons. Hein. Lui, il a carrément acheté le BP. Hein. Par contre, il a vraiment pas beaucoup de. Au niveau corps à corps, moi déjà c'était pas terrible. Par contre, la stabilité est bien meilleure. Par contre, je me demande comment les mecs il va arriver à survivre en étant sur le toit de la voiture jaune, de la voiture blanche. Franchement, c'est risqué. Hein. Il peut attendre longtemps. Hein. Par contre, ouais, c'est un peu répétitif. Hein. Moi, je m'attendais vraiment. Je m'attendais à partir sur une autre mission, moi, hein, franchement. Balance du fumigène pour me couvrir. Bah, ça aurait été rapide, hein. Bon, ce que je vais faire, je vais carrément changer, hein. Ouais, c'est ça, poseur de bombe, hein. C'est pas un truc que j'ai trop l'habitude d'essayer, on va voir un peu à quoi ça rime. Alors, on va se faire un délire là, on va prendre un fusil à pompe. On va y aller, on va la jouer offensif. D'accord donc. On va prendre des cocktails Molotov. C'est marrant. Ce que je vais faire, je vais peut-être prendre des trucs un peu moins encombrants et upgrader le pompe. Voilà. Chevroté niais, ça serait quelque chose de peut-être pas mal. On va prendre ça et voilà. C'est parti là, on va aller faire du nettoyage. Le point A, il est quasiment perdu là. Quel con, je m'y suis jeté comme un débile là, sans trop réfléchir. J'aurais dû balancer une grenade tout de suite avant de rentrer. J'ai merdé là, j'ai fait de la merde. Ah, les mecs, ils sont vraiment à l'affût. Hein. Joli, hein.
Joli tir, hein, le gars. Là aussi, hein, les voilà, les mecs, hein, très déplacementés. Très méticuleux dans les déplacements. Le mec est derrière les... Putain, l'enfoiré. Je l'ai vu. Hein. Poil, il va pas dans le détail quand il les élimine. Une requête dans la gueule. Ah, par contre, moi je me suis fait bêtement tuer. D'accord, on voit qu'on peut ramasser maintenant les armes. Est-ce que je vais pouvoir le tester là? J'aimerais bien tester mon fusil à pompe quand même. Ils ont, je pense qu'ils ont tué là en fait le dernier gars insurgé qui devait à mon avis prendre la fuite. Puisqu'ils n'avaient pas de, de respawn possible. Donc face à l'affluence, il a dû battre retraite tout simplement. Et je gagne un point supplémentaire. On va rester comme ça, ça ira très bien pour le moment. Hein. On va y aller voir. Putain, le con, je me suis fait surprendre. Je cherchais d'où ils arrivaient. Lui, il est très très malin, hein, le mec. Il est très vicieux. D'accord, j'ai repéré d'où ils venaient. Donc, c'est parti. Ils arrivent par le fond. Moi aussi, je move tout alpha. Il va balancer une requête. Le blaire. Quel con, j'ai balancé la grenade par terre. Je suis pas franchement épaté par la puissance de fusil à pompe. Quelle merde! Ah oui, vraiment de la merde. J'ai fait de la merde, je voulais prendre une grenade. Bon, bah, je crois qu'on va changer de classe. C'est pas terrible, terrible. On va prendre ça, la falle, là, ça va, à mon avis, envoyer de la, du pruneau correctement. Hein. Il
Non, on va distribuer du pruneau là. Watch my back, I'm reloading. Oh, le truc de fou. Eh hey merde, y'a personne qui me couvre derrière. Hein. Oh là 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 là. Tiens, un mec qui joue au pont. Putain, lui il a l'air mieux géré que moi l'affaire. Hein. Putain, il a l'air bien géré sa chose. Finalement, il a pas mis de viseur. Hein. Je pense que c'est pas plus mal de jouer comme ça, mais faut vraiment être au contact. Je vais essayer de changer encore. D'accord, donc là on va. Faut monter vite à l'étage pour pas qu'il capture le truc. Comme ça, moi, une fois que je suis dedans, moi ils peuvent venir. Hein. Ah putain, j'ai merdé complet. Donc on entend là. Moi je vais les empêcher de capturer, puis je suis à l'étage et là moi j'ai de quoi envoyer. Hein. Putain, ils ont balancé une grenade. Je sais pas d'où ils viennent là. Ils sont en train de capturer. Ça arrive, ça arrive. Fuck, 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 fuck. C'est le deuxième que je tue là. Je sais plus taper par où pour m'excuser là. Eh hey, merde, 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 merde. J'avais plus de chargeur. Je fais de la belle merde. C'est la première fois que je prends ce rôle-là, militant. We just lost Charlie. Oh my god, you made us. This is our sacrifice. Alors là, on n'est pas dans la merde. On va se mettre comme ça là. On se prend une grenade par contre, on est mort là.
Donc là on doit maintenir, on doit tenir la position, hein. J'ai peur que là par contre on ne tiendra pas les 11 minutes. À moins qu'on arrive à tuer toutes les vagues. De toute façon nous c'est fini, on a plus de vagues. Donc c'est eux qui ont le... Nous il faut vraiment qu'on évite de trop s'exposer, nous vraiment on doit faire une garde position. Hein. Dire que tout à l'heure bah, j'étais presque arrivé à finaliser. De toute façon, je pense qu'ils arriveront plus de l'autre côté. Hein. Mais bon, il faut couvrir tous les angles. Donc il y va. Allez, allez, allez. Ils ont plus que deux vagues. Hein. Ils sont pas. Non. Donc plus on les élimine, plus ils reviennent. Là, ils ont plus que deux vagues. Une vague. On est pas mal là, on tient bien. Là, ils ont plus de vagues là. On quadrille vachement bien le truc. Là, ça va être très très difficile. Là, il n'y a plus qu'à éliminer les ennemis et on gagne. Si lui il a été tué, c'est que ça arrive par là. Allez, je surveille l'ombre. Pour l'instant, c'est calme, calme. Alors est-ce qu'ils viennent par là ou c'est juste un... ils sont juste passés et qu'ils ont dessoudé le gars? On n'en sait pas plus. C'est très calme. Hein. Bon, il va falloir un moment donné qu'ils viennent. Hein. Parce qu'on peut attendre comme ça et là le temps tourne hein. Donc ils ont plus que 7 minutes là, enfin 8 minutes. Méfiance, ça court. Ça court un peu de partout, on sait pas d'où ça vient, ça met la pression. Il y en a qui abandonnent, qui quittent. Ils ont dû tirer le dernier. Bon bah voilà, hein, c'était passionnant. Hein. Grand chose extraordinaire. Hein. Ouais, je vais sûrement changer de partie. Hein.
Parce que bon, c'est marrant 5 minutes, hein, mais là on fait depuis tout à l'heure la même carte et ce serait bien de varier un peu, hein, histoire de changer un peu la carte de lieu surtout. Ah, pic. Ça peut être marrant pour Snipe. C'est une carte que... Comme ça me dit pas grand-chose, mais bon. Alors... Donc en fait, il faut protéger Alpha. Ah, joli, il s'est bien fait avoir. Là, c'est le paradis des snipers, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Dans un coin. Oh, super. J'aime pas trop m'exposer comme ça, hein. Puis là, on a l'impression qu'on peut pas passer, hein. Je pense que ça doit être une carte où il n'y a pas grand monde, hein, là-dessus. Hein, parce que voilà, on a perdu. Je pense qu'on n'est pas très nombreux puisque ça doit être pas mal une carte d'occupation et de tir à snipe. Hein. Ouais, c'est le cas de le dire, hein, occupé, donc c'est ça. Je pense qu'il doit falloir rester un temps précis dans la position, le point A notamment, et repousser les ennemis. Hein. Sinon, bah, simplement, c'est cuit. D'accord, j'arrive au moment en plus. N'y a pas l'air d'avoir des gens qui sont en train de s'affoler. Oh non, c'est pas possible. On va repartir sur la carte d'où je venais de partir. Oh, c'est nul, quoi, si c'est ça. Oh putain, c'est pas possible, quoi. J'ai changé de partie pour justement en arrêter avec cette carte et je me retrouve dessus. Et puis ouais, c'est bon, on va pas s'emmerder. On va sortir, on va rechercher un autre. Parce que bon, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pendant non-stop. C'est décidément. Hein. Je sais pas comment fonctionne le système pour nous attribuer les... Alors, on va faire plus simple. Ouais, je suis comme un con. Hein. On va supprimer la partie que je veux pas. C'est siège, hein, si je me trompe pas. Hein. Comme ça, je vais forcer à partir sur une autre carte. Hein. Oh là 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 là. Escorte du VIP de nuit. Pff, là c'est la merde. Et ça, les machins de nuit en plus en VIP. Ah bah oui, protect du VIP. Oh putain, je suis pas dans la merde. Hein. Alors on va prendre un truc, on va s'équiper différemment.
quoi. Donc là, mon but, c'est de protéger l'extraction d'un VIP. Putain de con. Je l'ai vu, le mec, là. Je l'ai vu, mais j'ai pas percuté tout de suite, là. J'ai l'impression que le serveur est légèrement modé, hein. Come on, we made this. So you were the one who started with being afraid of fires, no? Quel con, mais quel con, quel con. C'est bon, hein. Ça commence bien. Si c'est pour jouer Cortex, hein, on va éviter, hein. Alors, est-ce que je vais faire toutes les missions déjà de nuit là? Pareil, je vais les dégager, hein, parce que... Oh, soulèvement de nuit, voilà. Allez, c'est parti, lance-moi une partie sans la nuit. Si je pouvais éviter aussi les cris là des gars, ça serait sympa. Sinjar, ah ben, une carte que je connais assez bien. C'est l'une que je connais sûrement le mieux. Si je me trompe pas, hein. Je me trompe pas de carte, hein. Ouais, nickel, hein. Je suis en plus du bon côté. Donc ce que je vais faire, par contre, je vais changer peu de matos. Voilà. Et le problème, c'est que là, le fusil à lunettes, on perd la visée, donc là, je l'ai pas eu. Super. Il m'a tiré à 68 mètres avec une Mosin. C'est ça qu'il faut arriver à monter, et ça fight. Si on est comme des cons, il y a tous des tireurs d'élite. À un moment donné, il faut... Bravo.
les mecs qui sont là-bas. Les enfoirés. Pile au moment où je commence à arriver, ils ont cartouché mes potes là. Super, bah là je me suis fait allumer par un gars avec une SKS, ouais je crois que c'est un snipe aussi. Est-ce que j'ai moyen d'avoir un peu de matériel pour me grader là? J'aurais bien aimé prendre ce fusil, mais le problème c'est que j'ai pas assez de points pour acheter tout, hein. C'est-à-dire la lunette qui va avec le fusil qui peut se recharger. Donc là on est en train de capturer le point B, pas mal. Sur quoi il tire là? Je comprends pas tout là. Bravo is clear, we got it. J'aurais eu une autre arme là. Je l'aurais éclaté lui. Bing. C'est ça le problème, hein. C'est comme on a une culasse verrouillée, on est obligé de dépauler chaque fois. Il est haut. Lui, je l'ai pas loupé. L'avantage, je suis resté vachement sur l'intérieur du bâtiment, ce qui m'a permis d'être le moins visible possible. J'épaule pas tout le temps, histoire d'avoir une vision quand même assez générale du spot, c'est le cas de le dire. Hein. Ça me permet d'avoir un bon visu là de ce qui se passe. Bon, mais je vais avancer. Hein. Il demande du backup, on y va. Vas-y, passe, hein. Moi je suis qu'un backup. Hein. Il est au-dessus là. C'est un coin que je connais.
Et merde, 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 merde. Ah, ils sont sur les passerelles. Hein. J'essaie de me rapprocher le plus du secteur là. I gotta reload. The backup is coming, boys. This is it. I'm on my way to Charlie. We're taking Charlie. Il y a un mec en face. Il a dû se mettre à plat ventre en me voyant arriver. Fuck. C'était osé quand même hein, ce que je faisais, mais bon, hein, fallait bien quand même y aller. Hein. On a perdu comme des cons. Mais bon, on s'est bien battu. On s'est bien battu, mais. Mais bon, c'était. Il fallait tenter. Hein. Ah, si, quel. J'ai un nouveau point. Il me manque juste de quoi faire là. Let me throw a smoke for you guys. Don't fuck up, stay focused. Hey, I gotta reload. Shit, shit. Bon, nickel, là, les équipiers sont en train de monter. Nous, on est en couverture. Eh merde, lui, il m'a eu de loin. Putain, j'ai l'impression de pas avoir la lunette que je veux. Hey, we're taking Alpha. Je vais me remettre du moins. Comme tout à l'heure. Voilà, c'est reparti, on va s'y mettre. Lui, je l'ai niqué. Là, je suis en train de me faire éclater, mais comme il faut. Et là, l'enfoiré. Je sais plus comment on fait pour. Contact! Voilà. Moving to Alpha. Nickel.
Ça c'est un sniper hein, qui m'éclate. Hein. Bah c'est un sniper, hein. Je cherche mais... Ouais, c'est comme c'est ce qui voilà, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Faut chercher à contourner et à monter des côtés. Hein. C'est ce que moi je voulais essayer de faire, mais hein, pour couvrir au snipe. Hein. J'ai sûrement bouffé, j'ai sûrement eu celui qui m'a snipé, mais il y en a un autre. Ah, il est là. Ah, il y en avait un autre au-dessus. Donc maintenant, je sais où ils sont, hein, les deux. Le problème, il va vite se régler maintenant que je sais où ils se planquent, les deux. J'espère que le marquage aura été marqué. Les mecs qui sont e-camp, ils sont toujours au même endroit. Alors moi je vais essayer de me mettre dans une position beaucoup plus éloignée. Ah merde, et là il faut absolument qu'ils capturent le point A parce que moi je n'ai absolument plus de renfort. Ah fuck, 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 il s'est fait avoir là. Si on perd tous nos attaquants, et bah, on a perdu la manche, hein, tout simplement. Et bah, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ah putain. Dommage, dommage là. Là, on peut vraiment dire que les mecs, là, les snipers, ils se sont planqués à un endroit et puis ils y bougent pas. Par contre, là, est-ce que je vais pouvoir. Voilà, là, ça va être différent. Donc là j'ai le meilleur fusil, la meilleure lunette. Alors ce que je vais faire, je vais courir de suite me positionner. Ah, super, hein, j'ai fait vraiment de la merde. L'endroit était pas super, hein. Parce que les mecs ils vont se remettre au même endroit là. Putain, lui il a tracé, hein. Waouh, lui il a bien géré l'affaire. Hein. Allez, on va se repositionner. Allez, tac. C'est comme ça. J'en ai niqué deux là d'affilée. Pendant ce temps-là, ça attaque au point A. J'espère qu'ils vont le capturer. Alpha.
Putain, alors lui, je sais pas où il est. Hein. Par contre, là, il va falloir vraiment qu'on capture le point alpha. Hein. Fuck, fuck, fuck. Ah là 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 là, décidément. Hein. Alors là, je vois qu'en plus j'ai un. Ça tombe mal, mais. J'ai ce qui semble être un plantage. Moi je vais attendre là. Je vais attendre cet enfoiré là. Ah, c'est ce qu'il faut faire, faut rusher de toute façon. Là. Bon, je suis claqué. De toute façon, je pense qu'on a perdu. Je vais en profiter pour essayer de regarder le souci que j'ai avec l'interface. Faut dire que, ouais, étant donné que ça fait un bout de temps que j'ai pas mis, que je suis pas revenu sous l'interface, ça fait un petit. Ça s'est planté, hein, le flash. Enfin, pas le flash, mais le. Il s'est mis en pause, donc on va voir si ça va revenir. De toute façon, on a perdu, hein, ce qui était assez prévisible. Hein. Bah, de toute façon, moi sur ce, je vais pas insister plus. Hein. Je pense que je vais m'en arrêter là pour de Insurgency. Hein. C'est pas fabuleux, fabuleux. Tout à l'heure, il y avait quand même des meilleurs trucs. Puis bah alors. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite session sur Insurgency vous aura plu. Hein. Moi je me serais bien amusé. Je vais regarder un peu voir qu'il est, je vais voir ce que je fais d'autre, soit j'arrête, soit je pars sur d'autres choses. Voilà, bah merci d'avoir suivi, puis à plus tard peut-être, ou à une prochaine. Ciao ciao.